jeune sœur d'une enfant, la profondeur de Dieu. Elle sait bien, mère Yvonne, aimée de Malestroit, qui donnait toute sa vie à Jésus, roi des rois. Dans son regard si doux, tout est simplicité. Il est si lumineux et tout en majesté. Voyez comme Jésus l'aime, elle veut porter sa croix. Elle qui aimait danser, son âme pleine de foi. Avant de se coucher et de se mettre au lit, elle aimait embrasser les statues de Marie. Elle qui rêvait d'avoir le joli voile noir des belles Augustines qui venaient pour la voir. Elle sent la vocation, mais elle n'a pas 13 ans. Juvéniste à 15 ans, postulante à 16 ans. Mais Jésus lui donnait sa plus belle lumière, puisqu'il a bien voulu l'immoler tout entière. Quand elle vous regardait, il y avait dans ses yeux la douceur d'une enfant, la profondeur de Dieu. Et c'est bien mère Yvonne, aimée de Malestroit, qui donnait toute sa vie à Jésus, roi des rois. Un petit banc de bois tout au bord du canal, elle y voyait de suite les volutes en spirale d'un encens mystérieux qui descendait du ciel et qui se dilatait en effluves essentiels. C'était le lieu béni de tous ses rendez-vous, une affaire d'amour trop secrète pour nous, où Jésus l'attendait, où Jésus l'enseignait, en faisant de sa vie une offrande déployée. Les vieillards, les mourants, les pauvres des bidonvilles, il les lui désignait et elle courait en ville. Elle apportait secours aux veuves, aux orphelins et aux mendiants perdus, elle apportait du pain. Quand elle vous regardait, il y avait dans ses yeux la douceur d'une enfant, la profondeur de Dieu. Et c'est bien mère Yvonne, aimée de Malestroit, qui donnait toute sa vie à Jésus, roi des rois. Elle voyait l'ange lui-même et aussi la Hétarée, qui parlait avec elle en toute complicité. Un parfum inconnu qui n'est pas de la terre venez la prévenir de l'existence d'un père. Sur sa belle guimpe blanche, trois raies rouges de sang, de ses chairs déchirées par la main de Satan, s'alignait en un cœur comme sur une bannière qui aurait pu flotter sur un vieux monastère. Les entailles des griffes profondes jusqu'à l'os n'auront pas entamé sa joie au sacerdoce. Et elle passait d'un monde sans effort jusqu'à l'autre, par la bilocation pour prévenir les autres. Quand elle vous regardait, il y avait dans ses yeux la douceur d'une enfant, la profondeur de Dieu. Et c'est bien mère Yvonne, aimée de Malestroit, qui donnait toute sa vie à Jésus, roi des rois. Elle connaît les secrets de la déréliction et de désolation en vraie consolation. Elle demeurait cachée aux yeux de tous ses liens, puisqu'elle portait le monde pour sauver tous les siens. La nuit de son esprit et soleil de son âme, elle qui porte la France que l'Allemagne des armes. Elle refoule les horreurs des hosties profanées et offre
offre à Dieu son cœur et ses plus belles années. Et pour que transparaisse à jamais son amour, sans chemin de traverse, sans sentier de détour, il mettait dans ses gestes l'harmonie de l'amour, se glorifiant en elle pour le reste des jours. Quand elle vous regardait, il y avait dans ses yeux la douceur d'une enfant, la profondeur de Dieu. Et c'est bien belle Yvonne, aimée de Malestroit, qui donnait toute sa vie à Jésus, roi des rois. Quand elle vous regardait, il y avait dans ses yeux la douceur d'une enfant, la profondeur de Dieu. Et c'est bien Mère Yvonne, aimée de Malestroit, qui donnait toute sa vie pour Jésus et sa croix.